Les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, il y a cette image ici que vous voyez là, qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Moi, je suis tombé sur ça, je ne comprends rien. Au départ, je me disais que c'était dans un autre pays. Mais quand j'entends la chanson, comment le choriste chante là, je confirme que c'est vraiment au Cameroun. Et quand j'ai vu ça sur certaines pages, je suis allé dans les commentaires, on me dit que c'est comme ça. Bon, c'est écrit là que c'est comme ça qu'on enterre les hommes loi, ou bien les patriarches, les matriarches dans une certaine région là. Je ne comprends pas. Parce que moi, depuis que je suis caméraman, hein, de tous les événements que je couvre, là, je n'ai jamais vu ça. C'est ma toute première fois de voir un truc de ce genre au Cameroun. Je voudrais vraiment savoir, ça se passe où exactement au Cameroun? C'est quelle tribu qu'on enterre quelqu'un debout comme ça? Même les chefs de notre village, je ne pense pas que c'est comme ça. Il y a quelque chose qui m'intrigue aussi, parce que j'ai vu beaucoup de personnes se plaignaient que le cercueil servait à quoi? Non, pour le cercueil, ça ne m'inquiète pas, il sert quand même chez nous à l'ouest. Quand on enterre surtout les notables là, pour ceux qu'on a accepté mettre dans le cercueil, on ne les met pas au sol avec le cercueil. Donc, quand on pose le cercueil en public, c'est juste pour faire, comment on appelle souvent ça, les obsèques officielles. Mais en réalité, même quand il y a le corps à l'intérieur pour enterrer, on fait sortir ça du cercueil. Parfois, on enroule avec les doplas, les habits traditionnels là, de chez nous. Là. Donc, on enroule avec le dop avant de mettre au sol. On emballe quoi, on emballe avec le dos avant de mettre au sol. Mais déjà, le genre que je vois là, quelqu'un est debout. Regardez vous-même. Et c'est même une maman. Elle est debout, on l'enlève du cercueil. Regardez bien l'image. On creuse un trou. Et la question que je me pose, je ne vois même pas la terre. On a creusé le trou là comment? C'est l'engin qui vient creuser le genre de trou-ci. Ou bien... Moi, j'ai regardé ça peut-être même 10 fois. Question de comprendre vraiment c'est quelle coutume, c'est quelle tradition ça, les gars. Parce que moi, franchement, je ne comprends pas. Je ne fais que regarder cette image depuis. Ça m'a tellement dépassé. J'ai aussi dit que je partage ça sur ma page. Pour que vous essayez aussi de me dire ce que ça signifie. On apprend tous les jours. Donc, si vous pouvez vraiment m'expliquer cette image... C'est quoi concrètement? Ça renvoie à quoi? Pourquoi ce genre d'enterrement? Pourquoi enterrer quelqu'un debout? Et je vois même le corps est raide. Non, même pas raide, est souple. Moi, je vois souvent les corps là qui sont souvent raides. Pour que la main même, pour tendre la main, c'est tout un problème parce que c'est déjà bloqué. Mais je vois la main tourner, le corps est lesté et tout. Moi, je ne comprends pas. Il y a aussi un autre produit qu'on a versé sur le corps pour que le corps soit comme ça. Je ne sais pas, les gars. Dites-moi aussi, c'est quoi concrètement? Je ne comprends pas. Vision Pro. Vision Pro. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes mis. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite. Et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672 30 37 85 697 39 27 28. Vision Pro. Oui, Vision Pro, tu restes meilleur. En ce moment, le laboratoire photo Vision Pro lance une promotion de 3 semaines du 22 janvier au 10 février 2024. À
l'occasion de la promotion, le laboratoire Photo Vision Pro vous permet de faire des tirages photos sur vos téléphones, smartphones et tablettes à 200 francs CFA seulement. C'est le prix promotionnel pour chaque tirage. Vision Pro, tu restes meilleur. Le laboratoire Photo Vision Pro offre une promotion spéciale à tous les photographes. Pour 100 photos tirées, vous bénéficiez de 10 photos tirées gratuitement ou un tirage gratuit d'une photo 30 sur 45. Alors, ne perdez plus de temps. Profitez de la promotion dès maintenant. Le laboratoire Photo Vision Pro est situé dans la ville de Yaoundé, à 200 mètres du carrefour Ikono, en descendant vers Carrousel, à votre droite. Numéro de téléphone 672 30 37 85. Le laboratoire Photo Vision Pro. Venez par curiosité et vous serez satisfait.